Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est la formule magique à chaque fois qu'on commence un live. On espère que tout se passe bien chez vous et que tout va bien. En attendant que mon acolyte Maître Zoku arrive, je vais profiter pour vous saluer personnellement, un à un, chacun, du moins tous ceux qui vont commenter quelque chose, parce que des fois les gens regardent, ils n'ont pas trop envie qu'on dise leur nom, parce qu'ils veulent regarder discrètement. Donc, tous ceux qui diront un petit mot, eh ben je les saluerai avec le plus grand respect. Merci d'être là, merci de partager la vidéo. Merci d'être en bonne santé chez vous, parce que je l'espère. Merci, merci d'être en vie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, le 19 septembre 2023. Il y a de cela une vingtaine d'années, les esprits des habitants de la Côte d'Ivoire ont été inversés. Ils ont commencé à vibrer à une fréquence différente de celle que nous avions auparavant, c'est-à-dire des fréquences pacifiques. La guerre est rentrée dans notre pays et la guerre est venue bien ancrer les gènes de la colonisation. Voilà. Parce que les gens ont eu peur que la Côte d'Ivoire échappe à la colonisation. Donc, ils ont fait en sorte que ce pays reste encore dans les chaînes de la colonisation. Voilà. Ils sont devenus bien, bien. Parce que il faut l'avouer, il faut le dire, hein, avec l'avènement du président Koudou Laurent Gbagbo, il y avait des personnes qui ont commencé à dire ouvertement que il faut une souveraineté, il faut vraiment être libre. Voilà, il y a eu un langage au moins qui avait commencé à changer par rapport à ce qui était là avant. Et c'est ce qui a causé tous les problèmes que nous avons eus depuis 2022, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Il est très, très important de le dire, il était très important de le rappeler aux gens et il est très important de le dire maintenant parce que le combat est toujours en marche. Et nous sommes sur le point de gagner définitivement et passer à autre chose. Et nous sommes contents d'être cette charnière-là entre les générations qui ont connu, je veux dire ça comment, qui ont connu les pseudo-indépendances et les générations qui vont connaître vraiment la vraie indépendance. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, s'il vous plaît, ou bien commenter, parce que là, apparemment, je ne vois aucune personne qui commente. Je ne sais pas si c'est possible de commenter chez vous. Voilà, attendez, moi peut-être je vais mettre un commentaire, je vais dire coucou de mon côté, bonjour, pour voir si ça va décanter quelque chose. Voilà, j'ai mis un commentaire moi de mon côté. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs ou des pouces, s'il vous plaît, et partager la vidéo. Voilà, mon frère Zoku Malagi est là, je lui envoie l'invitation. Est-ce que... Allô? Allô, Oui, comment tu vas? je suis là. Oui, ça va bien. Oui, est-ce que tu peux mettre des cœurs? Tu peux mettre des cœurs chez toi Oui, là-bas, s'il te plaît? j'ai commencé à mettre. Ah, j'en vois aucun. Toi, tu en vois là-bas? Oui, je vois. Bon, j'ai arrêté pour tester, pour voir s'il n'y a pas d'autres. Bon, il y Non, a moi, un qui a mis. je vois aucun commentaire. Là. Vous avez dit bien que Facebook travaille, les algorithmes, ils Oui. sont sur nous. Attends, il y a un, deux, trois, il y a quatre commentaires. Ah, tu peux les lire pour moi? Moi, s'il te plaît, pour Oui. que je puisse répondre, si il y a des gens qui Pour ont. moi, Léa Yapi, bonjour. Ah, bonjour. Didier Alexandre Davy, bonjour, grand chef. Bonjour, Dédé Alexandre. Excusez-moi, je ne vois pas les commentaires. Il est obligé de me dire. Maintenant, Fred de Kama, Otep Koro. Ah, Otep, 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 à toi, triple Otep, mon frère. Fleurette Ah, ça, Nikez c'est ma Mekel. Camerounaise préférée, ça. Big up à toi depuis le Bonjour, Cameroun. d'une fille Bisous. d'Afrique. Voilà les. Mais j'espère qu'on m'entend un peu Oui, bien. on t'entend parfaitement bien. Oui, voilà. Excuse-moi. Excusez-moi, je vais. Voilà. Bien m'installer pour pouvoir jouer les audios. Voilà, merci, parfait. Alors, je vous salue vraiment parce que je ne vois pas vos commentaires pour le moment, hein, parce que Facebook fait ce qu'ils ont à faire pour nous Voilà, il y empêcher. a des cœurs, Voilà. trois cœurs et puis un pouce. OK, merci pour les cœurs, merci pour les encouragements, merci pour les partages.
On s'embête plus vraiment avec le nombre de personnes qui nous regardent parce que nous savons qu'après la vidéo, il y a des milliers de personnes qui regardent. Ça, c'est une certitude parce que les gens partagent et tout ça. Donc, ce n'est plus important. En fait, quand ils font ça, ils veulent essayer de nous casser le moral pour dire que oui, vous n'avez pas de visibilité, les gens ne vous regardent pas. Donc, psychologiquement, des fois, ça décourage un peu ceux qui sont dans le combat et qui essaient de faire quelque chose. Et beaucoup de gens n'ont pas cette force de caractère-là de pouvoir quand même continuer à dire ce qu'ils ont à dire, à qui il faut le dire et comment il faut le dire. Donc, ils se disent que, bon cher, apparemment, les gens ne m'écoutent pas, donc à quoi ça sert? Non, il faut dire ce qu'on a à dire. Vous inquiétez pas, les gens regardent. Les algorithmes de Facebook aujourd'hui, là, tout ce qu'ils font là, c'est n'importe quoi. Il faut continuer, il faut être toujours dans cette perspective-là de vouloir changer les choses, surtout en Afrique, surtout chez nous, actuellement, et nous sommes en train de gagner ce combat, donc il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Donc, aujourd'hui, je me suis entretenu avec mon frère Zoku par rapport à deux vidéos que j'ai reçues dans mon inbox. On va vous les lire, on va vous les faire écouter. Et puis, ces vidéos-là, en fait, expliquent, mais alors là, de façon magistrale, parfaitement, les souffrances des populations en colonie ivoire. C'est-à-dire que les populations souffrent de façon, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que les populations ivoiriennes, africaines en général, mais ivoiriennes en particulier, souffrent d'un système qui est en place, mais qui fait que, comme il y a longtemps, les gens sont dedans. Il y a longtemps, les gens subissent ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'ère d'Oufo-Boigny. Vous savez, quand tu es habitué, quand par exemple tu viens au monde dans un quartier, par exemple, ou devant la maison, il y a un caniveau qui sent mauvais. Devant la maison où tu es né, là. Tu vois, donc quand tu es venu la première fois, on t'a déposé dans la maison là-bas, dans l'entrée couchée. Et puis maintenant, à l'entrée de la maison, là, le caniveau, là, ça sent mauvais. Il y a l'eau, là, c'est vert, c'est noir, bizarre, là, gluant. Il y a les moustiques, il y a les trucs, les saletés dedans. Tu es né à côté de ça. Tu sors, quand tu commences à marcher, fais tes quatre pattes, tu sens ça. Jusqu'à tu as 12 ans, tu sens toujours ça. Tu as 20 ans, tu sens toujours ça. Pour toi, dans ta tête, ce que tu sens, ce que tu vois, c'est normal. Tu souffres hein, parce que ça te pique, il y a des maladies que tu as, on t'a soigné, tu as eu la chance, tes parents ont eu au moins 5 000 pour t'envoyer à l'hôpital, tu as fait des injections, des trucs. Tu as eu au moins la chance de survivre. Voilà. Mais il y a plein qui sont morts, qui sont restés dedans, et puis ils ont été enterrés dans l'anonymat comme ça. C'est pas grave. Mais la souffrance que tu vis, qui n'est pas normale, pour toi, c'est normal. Tu t'en rends même pas compte. Il y en a même qui peuvent m'insulter, même parce qu'on dénonce ça. Mais c'est une réalité. Et la vie que nous devons mener en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la vie que nous menons maintenant. C'est une vie qui a été décidée par un groupe de personnes qui se nourrissent du sang et de la sueur des Ivoiriens. Aujourd'hui, on va vous expliquer ça de façon terre à terre. Parce que les gens disent que oui, Monsieur Ouattara, c'est un grand économiste. Les gens, ce sont des grands économistes. Donc, par rapport à ça, quand le pays est géré par des grands économistes, tout va bien. L'économie est au top. Vraiment, il y a des constructions, il y a des infrastructures. Tout va bien. Et puis, on retrouve dans la majorité des gens qu'on appelle migrants en Europe, ceux qui vont nourrir les poissons de la mer. On trouve beaucoup d'Ivoiriens dedans. Des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui sont pour la plupart des supporters du régime de M. Ouattara et qui se retrouvent quand même dans la mer pour aller pour les vivants, hein, pour les survivants du moins, aller se retrouver à Lampedusa et puis maintenant les voir à la télévision tous les jours, les migrants, les migrants, les migrants, dans la honte et dans le déshonneur total. Alors, l'idée m'est venue de dire aujourd'hui, bon, on va faire une vidéo avec mon frère Zoku où nous allons vous jouer deux vidéos. Une vidéo d'une dame qui parle de la situation des populations en Côte d'Ivoire, et puis une vidéo de Monsieur Alassane Draman Ouattara qui vous explique lui-même, enfin qui vous explique, qui vous dit exactement ce que nous dénonçons là. Lui, il vous dit que c'est bon, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on doit vivre, c'est comme ça. Et vous allez voir, et vous allez vous-même réfléchir, et vous allez comprendre, en fait, pour certains. Parce qu'il y a beaucoup qui comprennent déjà, mais pour ceux qui sont encore têtus, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas là, vous allez commencer à comprendre que la souffrance que vous
vivez actuellement en colonie ivoire. C'est une souffrance qui est synthétique, c'est-à-dire c'est une souffrance qui a été fabriquée par des gens pour garder la force, pour garder l'argent, pour garder le pouvoir, pour garder tout ça. Et puis, sur vos souffrances, c'est-à-dire que comme à une époque au temps de l'esclavage, quand des gens voyaient des esclaves passer, des esclaves se faire acheter, massacrer, tout ça, eux, ils disaient, bon Dieu, c'est normal, hein, on a la force, on peut faire, on le fait, et puis bon, voilà, c'est normal. Après, il y a ceux qui voyaient nos parents faire le travail forcé, tout ça, et puis qui regardaient, oh, c'est normal. Et bien aujourd'hui, la souffrance des populations, il y en a qui regardent encore, puis qui se disent, c'est normal, parce que on est paresseux, parce que on est dans la corruption, parce que on est incapable de fabriquer une allumette, parce que, voilà, tous les arguments des gens, je veux pas parler comme eux, sinon j'allais dire les transafricains, mais je veux essayer de garder quand même un langage assez correct. C'est-à-dire que les gens de la Françafrique, eux, aujourd'hui, qui disent que c'est normal parce qu'on ne peut pas faire ceci, on est incapable de ceci, on est incapable de cela. Aujourd'hui, vous prouvez par A plus B à travers cette vidéo que tout ça s'est voulu, tout ça s'est planifié, tout ça s'est orchestré pour éviter que la population en général en Côte d'Ivoire puisse avoir une vie normale, une vie décente, une vie correcte. Voilà. Alors, Maître Zokou, tu veux ajouter quelque chose à l'introduction ou bien on va aller vite Non, dans le moi je vif pense du que l'introduction elle est bien comme elle est. sujet? Si tu es prêt, on va jouer. Dès que tu fais signe, on va jouer les vidéos. Alors, allons-y pour la première vidéo de la dame qui se plaint de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Si, D'accord. par moment, si je te dis stop, s'il te plaît, tu arrêtes et puis on va parler de certaines choses, puis on continue. Alors, allons-y. D'accord. La famille africaine, on n'est pas deux, on n'est pas trois. Avant, on pouvait faire le marché avec 2 000 francs, 2 500, 3 000. Mais aujourd'hui, on n'a pas 5 000. Et puis 5 000, là, ce n'est pas pour dire que 2 jouets. C'est rien quand tu prends 5 000, on va faire le marché, là, pour finir. Et toi, tu connais la famille africaine, on n'est pas deux, on n'est pas trois. On est beaucoup, nous sommes beaucoup. Hein? Le sac de riz est cher. Aujourd'hui, là, la viande qui fait mal au marché, là, c'est le porc. C'est que ce n'est pas porc autour, là. Stop, s'il te plaît. On arrête là. On met pause. Voilà. Alors, la dame, elle a dit que. Mais on entend, est-ce que le son est bon? C'est mitigé, mais on entend certaines choses. C'est pour ça que je dis stop pour que je puisse reprendre ce qu'elle a dit. Oui. Donc, la dame a dit qu'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile pour aller. Allô? Allô? Oui. Alors, la dame dit qu'aujourd'hui, pour faire le marché en colonie Ivoire, c'est difficile parce qu'avant, avec 1 500, avec 2 000 francs, 3 000 francs, on pouvait s'en sortir pour faire un repas dans la famille. Voilà. Mais maintenant, c'est au minimum avec 5 000 francs. Bon, c'est avec 5 000 francs. Donc, avec ce bon-là, comme on dit, ce billet de bon-là, bon, c'est 5 000 francs CFA, c'est à peine si elle peut avoir de quoi nourrir une famille, disons, de plus de 3 personnes par jour. Et que la viande que elle peut acheter aujourd'hui avec ces 5 000 francs-là, c'est le porc. Et je crois que je suis un peu en avance sur la vidéo parce qu'elle a commencé à peine à parler du porc. Donc, elle dit c'est le porc. Alors que pour la plupart des gens, il y a beaucoup qui sont des musulmans, par exemple, qui n'ont pas le choix que de manger du porc. Et ils le mangent, ils mangent leur totem sans problème en colonie ivoire. Parce que c'est ça l'hypocrisie dont les gens parlent. Là. On est là, oui, on est dans la religion, on fait ceci, on fait cela. Mais en réalité, sur le terrain, là, quand le ventre parle, quand la faim parle, eh bien, ton totem, tu le manges. Voilà. Donc, il y a beaucoup de nos frères musulmans en Côte d'Ivoire qui mangent du porc parce que l'économie du pays ne leur permet pas de manger du mouton ou bien de manger régulièrement des viandes qui sont autres que le porc. Donc, on continue la vidéo, s'il te plaît. J'espère que... Il va manger le porc là, il veut retourner, il va manger le porc. Parce que tu ne peux pas prendre 5 000 francs et puis aller acheter 1 kilo de viande. Le kilo de viande te fait 3 300, si j'ai bonne mémoire. Voilà.
3 000 saisons. Il va rester combien pour le riz, pour les aubergines, pour la balle, moi qui aime le foutu là. Et puis mon foutu comment? En tout cas, l'État est vrai, n'a essayer de voir. Donc essayer de diminuer un peu les choses. Moi je fais confiance à mon président. Mon président là, moi je lui fais confiance. Il sait qu'il dit paix, tout est diminué. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend pour donner ce signal. S'il te plaît. Alors, la dame a dit que les gens sont obligés de manger du porc et que si on veut acheter de la viande de bœuf, la viande normale, c'est 3 500 le kilo au moins aujourd'hui. Et que vraiment, avec 5 000 francs, là, si on prend 3 500 pour acheter la viande, 1 kilo de viande, il reste combien pour acheter les aubergines, les tomates et le riz et toutes ces choses-là? C'est impossible parce que même le kilo de riz aujourd'hui est passé à je ne sais pas combien. Donc, vraiment, c'est compliqué pour une famille normale ivoirienne de pouvoir trouver à manger de façon correcte. Une fois par jour. Une fois par jour. Alors, elle dit, elle fait appel à son président. Je dis bien son président. Fait appel à son président pour que lui, il s'élève avec sa baguette magique. Et puis, il vient et puis il dit, bon, demain, le kilo de riz va coûter 400. Le kilo de viande va coûter 350. Voilà. Et par magie, lui, il va changer les prix des choses. C'est ce qu'elle pense dans sa tête, la dame qui est en train de parler. Là. Elle se dit que son président est capable de faire tout ça. Donc, elle attend ça. Et puis, quand on constate dans la réalité, elle va attendre longtemps. Va attendre longtemps, comme carrelage. À cette peinture, même avec le temps, un peu, ça s'en va. Mais carrelage, l'adio, si ce n'est pas quelque chose qui vient casser ça, l'adio, ça va rester là pendant des siècles. Donc, elle espère. On continue la vidéo, s'il te plaît. Moi, comme ça, je suis célibataire. J'ai deux gros garçons, plus un petit un garçon, qui s'appelle Ouattara. Cheikh Abdou Drama, c'est-à-dire que le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais si cet enfant là, il n'arrive pas à manger pour pouvoir bien étudier, pour qu'il demain là, il soit médecin, ou bien diplomate, ou bien président comme je le veux, moi aussi, il y a un moment de. Je fais comment? Je suis mort dans le vide. Donc les autorités, en tout cas, faites quelque chose. On est fatigué de manger qu'on rôti. Le gaz même là, c'est-à-dire 2 300. Et puis tenez-vous bien. Ça ne fait plus un mois. Ça ne fait plus un mois. C'est un mais ce sont des voleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Mais ça ne le remplit pas. Pause. Mais attends, alors, est-ce que cette fois-ci, le son s'est un peu amélioré? Oui, ça s'est un peu amélioré. Oui. Voilà. Bon, et elle-même, là, il me semble qu'il y a des bruits. Tout autour d'elle, oui. Voilà. Ouais, donc, vas-y. Donc, elle dit que son fils s'appelle Cheikh Abdou Draman Ouattara. Son fils, il a un nom à consonance nordique et de facto, normalement, il est musulman. Mais il mange le porc. Il mange le porc. Et elle dit que la bouteille de gaz, qui est à 3 500, aujourd'hui, ça ne termine plus le mois, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que la quantité de gaz à l'intérieur de la bouteille a diminué aussi. Ouais. Parce que les gens ont commencé maintenant à faire de la malversation avec. Vous savez que les gens se débrouillent à tous les niveaux en colonie, voire pour voler son prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, la dame qui parle, c'est une citoyenne lambda. Hein. C'est une citoyenne qui supporte apparemment M. Ouattara, qui doit certainement aller au meeting, qui doit certainement voter, qui doit certainement faire tout ça et qui soutient M. Ouattara et qui est bien contente depuis 11 ans ou bien 12 ans là, de le suivre, mais qui continue de pleurer depuis 11 ans, 12 ans. Et par contre, ce que ses yeux voient, c'est des constructions de ponts, des constructions de goudrons, des constructions de péages, des constructions, on dit oui, c'est des infrastructures, le pays avance et tout avance. Mais les citoyens lambda comme elle, eux, ils sont assis là et puis ils pleurent pour manger une fois par jour. Et ça ne change pas et c'est pas prêt de changer maintenant avec le système dans lequel M. Ouattara, lui-même, il est et qu'il prône. Voilà. On peut finir la vidéo, s'il te plaît? Oui. Voilà, c'est deux semaines. Moi,
300. Et puis tenez-vous bien, ça ne fait plus un mois. Ça ne fait plus un mois. C'est un mois, ce sont des voleurs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne remplit pas. Si ça trouve là, c'est deux semaines. Mais si tu dois remplir le gaz deux fois dans le mois, là, tu fais comment? Moi comme ça, je banque Belin. Non, il prend tout le bénéfice de Belin là pour manger, pour aller au WC. Il garde quoi? Et puis s'il y a un problème, pause. Alors, là maintenant, la bonne femme, elle est rentrée maintenant dans une autre dimension, dans une autre dimension du cherchement. Elle dit, elle vend le gbélé. Le gbélé, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, le gbélé, c'est de l'alcool frelaté. Le gbélé, c'est de l'alcool de manioc ou bien truc, c'est frelaté, c'est une sale boisson. Quand c'est mal fait, on peut bien le faire, hein. On peut faire ça de façon vraiment bien faite pour que ce soit un alcool comme la vodka et ce genre de choses-là. Mais seulement... En parenthèse. Oui. Est-ce que il ne conviendrait surtout pas de dire que c'est de la liqueur traditionnelle? C'est de la liqueur traditionnelle, mais c'est de très mal fait. Quand on dit que c'est frelaté, ça veut dire que il y a un défaut dans... Il y a de gros défauts dedans, dans le dosage. Je sais pourquoi je dis frelaté. Il y a un gros défaut dans le dosage, parce que faut pas confondre l'alcool à brûler puis le bel air. Parce qu'il y a des gens, quand ils font avec leur alambic, avec leur système de distillation, ils ne règlent pas bien les dosages, et ils font de l'alcool, mais c'est l'alcool à brûler. Ce n'est pas de l'alcool pour consommer. Mais les gens, ils consomment ça. C'est ça, ils appellent bel air. Maintenant, il y en a, ils le le faire dans les villages et tout ça, ça devient maintenant l'alcool. Si tu en bois, bon, c'est pas grave pour ta santé, mais il y en a beaucoup qui sont faits et qui détruisent des gens, qui brongent l'estomac, parce que c'est de l'alcool à brûler, c'est pas de l'alcool pour consommer. Voilà pourquoi je dis frelaté, parce qu'une dame comme ça, elle a quelle connaissance pour pouvoir fabriquer le bel air, ou bien où elle va acheter là? Les gens, ils ont quelle connaissance pour fabriquer de façon industrielle, de façon avec sécurité, de l'alcool que les gens vont consommer et qui ne va pas les rendre malades. Rien, tout est fait de façon désordonnée, n'importe comment, dans les cases, dans les coins, les gars font ce qu'ils veulent. Et elle vend. C'est-à-dire qu'elle s'en va acheter ça quelque part moins cher, et puis elle vient, puis elle revend pour se débrouiller, pour combler, fermer les fins du mois. Mais tout ça, ce sont des problèmes sanitaires, ce sont des problèmes vraiment qui tuent les gens chaque jour. Il y a des gens qui boivent ce bel air là, puis maintenant qui se retrouve à l'hôpital et qui meurt d'intoxication. Mais on ne compte pas ça dans les problèmes sanitaires du pays, parce que les gens vont mettre ça sur les sorciers. Les gens vont dire Allah locadi, Allah locata, Dieu qui a donné, Dieu qui a repris. C'est comme ça, c'est la vie, il devait mourir comme ça. Donc ça là, chaque jour, il y a des centaines d'Ivoiriens qui meurent comme ça. Chaque jour, hein, il y a des centaines d'Ivoiriens anonymes qui meurent de toutes ces choses-là, qui sont dus justement à tout ce que nous dénonçons là. Mais comme ils ne sont pas importants, ce sont des gens qui ne comptent pas dans la balance. Donc les gens s'en fichent. Ce n'est pas le cousin, le neveu de ceux qui sont au pouvoir ou bien de ceux qui sont... Non, c'est des gens lambda, des citoyens qui ne comptent pas dans la balance. Donc par rapport à ça, on n'en parle pas, mais on enterre les gens chaque jour. Heureusement qu'il y a beaucoup de naissances pour combler un peu le trou, puis faire que la croissance démographique, là, ça continue d'augmenter. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de gens qui meurent avec des raisons vraiment, je ne sais pas, pour des raisons vraiment tristes, qui ne devraient pas normalement en 2023. Mais bref, la dame a dit qu'elle vend le bel air. Voilà encore un autre problème qui s'ajoute à tout ça, pour compléter, parce que c'est difficile. Donc, les gens sont obligés de tricher, sont obligés de faire n'importe quoi, de se débrouiller, pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Tout ça, ça fait un conglomérat de problèmes qui sont vécus par la population en général. Ce que la dame dit, là, la femme qui parle, là, sur les 26 millions d'Ivoiriens, il y en a au moins 20 millions, au moins facilement 20 millions qui vivent comme ça. Au moins 20 millions qui vivent comme ça. C'est-à-dire au seuil de la sous-pauvreté. Il y a la pauvreté et puis il y a en bas de la pauvreté. Là. Il y a au moins 20 millions d'Ivoiriens qui sont dedans.
tranquillement. Ça ne chauffe pas. Et puis, c'est pour eux, c'est normal. Pour eux, dans leur tête, c'est normal. Je vous ai expliqué en début de la vidéo que quand tu nais dans une maison qui est au bord d'un caniveau qui pue et que tu as 12 ans, tu as toujours vécu là, le caniveau, là, ça ne te dit rien, l'odeur, là. Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas normal que ce caniveau-là pue comme ça, que ce soit toujours rempli de merde, mais que ce soit toujours. Pour toi, ça ne te dit rien. Tu viens, tu sautes, tu t'en vas faire tes trucs, tu reviens, tu sautes, tu rentres à la maison, tu continues ta vie tranquillement parce que dans ta tête, ce n'est pas imprimé que ce n'est pas normal que c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est la même chose, les gens, la misère, la pauvreté, pour eux, c'est normal, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Et tout le monde maintenant cherche à un jour émerger, à un jour devenir riche, milliardaire, pour pouvoir vivre la vie maintenant de ceux qui sont normaux. Voilà en quelque sorte le résumé de la vie des Ivoiriens en colonie Ivoire, qui sont tous en train de chercher à l'église ou bien à la mosquée, ou bien chez le marabout, je ne sais pas quoi, des voies et moyens de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir avoir une vie décente, une vie normale, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir se soigner, pouvoir étudier, apprendre, se former. C'est juste ce genre de truc-là, quoi. Simple, mais vraiment simple. Mais ça, là, pour avoir ça, c'est la croix et la bannière. Donc les gens sont obligés de se débrouiller, voler. Beaucoup d'Ivoiriens sont devenus des escrocs aujourd'hui, des menteurs, des voleurs. Le moindre truc que tu vas confier à quelqu'un, il va chercher à te bouffer. Tu lui donnes ça, il va prendre ta main. Tu lui donnes ça, il va prendre ta tête. Tu lui donnes ça. Et puis ils s'en foutent. Ils n'ont même pas de dire, attends, ce que je fais là, c'est pas bon. Non, ils n'ont plus de problème avec ça. Yo, tu m'as donné, tu vas voir, erré, je t'ai fait mal. Et comme ça, les gars agissent, les gens font parce que justement, à la base de tout ça, il y a un système répressif économique qui garde la population générale sous cette coupole de misère là. C'est fait exprès. Et c'est là, aujourd'hui, on en vient avec la prochaine vidéo qu'on va vous faire écouter de Monsieur Alassane Draman Ouattara, le grand économiste mondial, le grand patron du FMI ou bien de la Banque mondiale, le grand patron de la BCAO, le grand économiste, bref, le grand Alassane Ouattara, qui va vous faire sa démonstration économique du bienfait du franc CFA. Donc, si tu es prêt, mon frère Zoku, tu vas faire passer la vidéo de Monsieur Ouattara. Bon. Attendez que je retourne dans WhatsApp. Voilà. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Nous sommes humiliés! Famille, qu'est-ce qui se passe? Alassane Draman Ouattara, lors d'une conférence de presse, Draman Ouattara a été interrogé par des journalistes sur la situation, la relation entre lui et Soro Guillaume. Alassane Ouattara, qui dit que Soro Guillaume est son fils, il dit que Soro Guillaume est un petit rebelle, rebelle que les enfants se rebellent souvent. Donc, il faut les corriger. Après avoir vraiment été. Je voudrais vous dire une chose, l'ancien président. A vraiment été économiste ou il a fait ses études? On remet en question ses diplômes d'économiste. Donc, cher frère, c'est parti. On va écouter d'abord son show avec Soro Guillaume et à la suite, nous allons écouter son discours. Sûrement, vous avez déjà entendu ça, mais il a été correctement corrigé par un tonton. Le tonton a mis Alassane Ouattara à sa place. Donc, c'est parti, famille. On écoute. L'ancien président, nous attendons la suite. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Écoute-moi un peu. C'est le maximum que j'ai mis. Je suis rapproché du téléphone. Je voudrais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Alors, Déjà,
Pause, s'il te plaît, pause. Alors, la qualité du son n'est pas trop parce que. Alors, Monsieur Alassane Draman Ouattara, sur le perron de l'Élysée, vient justifier la qualité et la valeur du franc CFA. Donc, je répète, sur le perron de l'Élysée. Alors, déjà pour commencer, si vraiment M. Ouattara pouvait réfléchir un peu plus et comprendre un peu les enjeux même dans lesquels l'Afrique se trouve, c'est-à-dire que où il est là, l'Élysée, là, quand il est en train de dire devant les caméras aux journalistes au monde entier que lui, d'abord, premièrement, sa démonstration, c'est quoi? C'est de citer les postes qu'il a occupés. J'ai été directeur de ceci, j'ai été ceci, cela, j'ai été ceci, cela, j'ai été ceci, cela, j'ai été ceci, cela. Ça ne démontre en rien tes qualités factuelles d'économiste. C'est juste de la talakou. J'ai été patron de ça, j'ai été patron de ça, j'ai été patron de ça, j'ai été patron. Mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi de concret pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour dire que ah, le gars, c'est lui qui a fait que, par exemple, telle catastrophe ou bien situation économique dans tel coin, dans tel endroit, a été résolue par le savoir-faire de M. Ouattara qui est venu, qui a appliqué un programme bien particulier, un truc qu'il a pensé et qui a fait que ça, vraiment, l'économie a été redressée. Tout. Non, c'est que des atalakous, des choses sans queue ni tête, des choses vides, énumérations de titres qui ne pèsent rien même, parce que c'est toujours j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai été. Mais concrètement parlant, là, ce qu'il a fait, rien. Même ses études, son diplôme, les gens mettent ça encore aujourd'hui en cause dans les discussions. Est-ce que vraiment ce monsieur-là est ce qu'il dit qu'il est? Est-ce que ce monsieur-là est vraiment un économiste chevronné qui manipule la monnaie et tout ce qui est système économique qui fait que vraiment les choses vont toujours pour le mieux partout où il passe? Franchement, je ne crois pas. Parce que la preuve, depuis des dizaines d'années, on le voit là, puis bon, rien ne change à part les crédits qui augmentent sur la Côte d'Ivoire et puis les deux, trois réalisations, quand on dit réalisations encore, des choses qui sont biodégradables par rapport à une petite pluie où vraiment on voit la qualité du travail qui est nulle. Il faut le dire, la qualité du travail est nulle. À chaque fois, la nature vient prouver que c'est nul et les gens trouvent toujours des justifications. Mais bref, le monsieur vient dire que d'abord, il donne ses titres pour impressionner qui? Peut-être ce sont les moutons qui le suivent, les gens qui sont impressionnés par les titres, mais qui ne réfléchissent pas sur les conséquences de tout ce qu'il fait et qui pleurent maintenant parce qu'ils sont musulmans puis ils mangent du porc parce que c'est le porc seulement qu'ils peuvent acheter parce que dans leur poche, il n'y a pas autre chose. Alors que c'est un grand économiste qui fait en sorte que les choses font que le pays va bien, tout va bien, les voyants sont verts, c'est les mêmes là encore qui viennent nous insulter dans nos vidéos, mais qui se retrouvent dans Lampedusa, ou bien qui se retrouvent dans le désert de Libye, ou bien qui se retrouvent en train d'être bon ou bien boy chez les Libanais, ou bien je ne sais pas où, dans les pays arabiques, là. C'est les mêmes, là. Mais qui vantent les mérites de ce monsieur-là, et puis qui mangent leur totem en même temps. Mais bref, le monsieur est en train de donner tous ses titres, parce que pour lui, dans sa tête, quand il va donner ses titres-là, les journalistes qui sont en face, waouh, le gars, ouais, il est fort, ah oui, ouh, le gars, il connaît, il sait de quoi il parle. Alors qu'en fait, il ne fait que démontrer la médiocrité de nos intellectuels africains, ivoiriens en particulier. Parce que ce monsieur-là représente la tête de la Côte d'Ivoire, sur le perron de l'Élysée. Et quand vous voyez M. Macron qui regarde à sa fenêtre, M. Ouattara est en train de dire ces choses-là, que le CFA,
c'est bon, si. Enfin, continuons la vidéo, il va dire, et puis après maintenant je vais rebondir dessus. Continuons la vidéo. que les enfants se rébellent souvent. Donc, il faut les corriger. On nous donne des milliards à côté. Ça cesse. Les gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance. Pause, s'il te plaît. C'est le maximum de volume que j'ai mis, Pause, hein, oui, c'est le d'accord. maximum. Mais pause. Monsieur Ouattara dit, le franc CFA est notre monnaie. Et la monnaie que nous avons librement choisie. Monsieur Ouattara est un menteur. Voilà encore une grosse preuve ici, mais les gens ne font même pas attention. Monsieur Ouattara est un menteur. Le CFA n'a pas été choisi par les Africains. Aucun pays africain n'a choisi le CFA. Le CFA a été imposé par le colon. Donc, monsieur Ouattara ment. Quand il dit que nous l'avons librement choisi, ce n'est pas vrai. Je mets au défi quiconque de venir nous dire ici que oui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun ont décidé, eux-mêmes se sont levés comme ça. Ah ben tiens, on va chercher une monnaie dans le monde. Ah, le CFA, ça doit être une bonne monnaie. Donc, allons, on va demander la permission à la France. Est-ce qu'on peut utiliser votre monnaie CFA, s'il vous plaît? Comme ça, parce que c'est vraiment une bonne monnaie, nous, on va vraiment prendre soin de faire en sorte que on va bien s'occuper de cette monnaie. Est-ce qu'il y a un pays, quelqu'un peut nous dire ça, s'il y a un pays qui a choisi librement? Oui, je vais faire une petite précision. Oui. Là, le live doit s'arrêter à quelle heure, s'il te plaît? À 13h50. 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 Bon, on a le temps, il est 13h. Voilà. Donc, d'après ce que nos spécialistes de la monnaie disent, Oui. ils disent que logiquement, Oui. la voie pour instituer une monnaie, soit elle est parlementaire, c'est-à-dire qu'on introduit la loi qui institue la monnaie au Parlement, c'est voté au Parlement. Au minimum, ça doit être adopté par la représentation nationale, c'est-à-dire les représentants du peuple, c'est-à-dire le Parlement. Ou alors, ça passe en référendum. Donc, d'après les explications des spécialistes, voilà comment on adopte, on institue une monnaie. C'est Oui. adopté par le peuple, soit au Parlement, à une certaine majorité, soit par référendum. Oui. Alors que là, dans les documents officiels, le CFA est créé par décret. Même pas une Oui. loi, hein, c'est par décret signé par trois personnes. Le Oui. général de Gaulle, je Oui. crois, l'un des premiers ministres, quoi, Gaston Defferre, et puis Jacques Soustelle. Jacques Soustelle. Donc, sa création n'a rien à voir avec les institutions nationales. Voilà. Voilà. Même Donc, pas une monsieur loi, un décret du gouvernement français. Voilà. Donc, monsieur Ouattara est un menteur. C'est un menteur invétéré. Comme le président Gbagbo l'a dit, c'est un menteur invétéré. Voilà la preuve. Maintenant, quelqu'un a quand même dit que c'est faux. Est-ce qu'il y a des commentaires, s'il te plaît? Non, moi, je ne vois Parce pas que de j'ai beaucoup commentaires. de commentaires. Hein? Je ne vois pas de commentaires. Ah, donc là, ça, on dirait qu'ils ont vraiment mis, ils ont Tu vissé, mais. veux, ce qu'on peut dire, les gens vont répliquer que au moment où le CFA a été institué, c'était en 1945 et qu'on n'était pas indépendant et que on faisait partie d'un cadre juridique qui était, je crois, l'Union française. Et les gens peuvent chercher à ruser en sortant cet argument-là, n'étant pas indépendant, donc ne jouissant pas d'une assemblée nationale propre à nos territoires, Oui. une assemblée nationale autonome, les gens vont dire que ce critère dont je parle là, ça n'existe pas. Mais même si ça n'existe pas, l'État dans lequel on était inféodé là, cet État même, mais il a une représentation nationale. Bien sûr. À supposer que la Côte d'Ivoire, en 45, soit considérée comme territoire français. Comment mettre en vigueur une monnaie sur ce territoire-là sans faire valider ça par l'Assemblée nationale? Et on prend un simple décret. Parce qu'on peut considérer que le CFA s'exerçant dans les colonies, donc dans un territoire français en 1945, c'est une monnaie française aussi, comme le franc français. Donc il y a deux monnaies françaises.
France française et puis France CFA. Oui. Pourquoi l'une est adoptée à l'Assemblée nationale et l'autre simplement par décret? C'est-à-dire, quel que soit le chemin qu'on prend, il y a une barrière de non-sens qui est là. C'est pour voilà. Mon argument. Voilà, vas-y. Donc, on arrive à un point où on se rend compte par A plus B, avec des preuves à l'appui, que M. Ouattara est un menteur. Et un menteur qui ment sur quelque chose d'aussi important que la monnaie d'un pays souverain. De plusieurs pays même d'ailleurs. M. Ouattara ment comme un arracheur de dents quand il dit que c'est une monnaie qui est bonne pour nous, qui a été choisie par nous, et tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc là déjà, il y a un gros mensonge qui est là, très clair. À moins que quelqu'un vienne nous montrer qu'il y a eu une décision à l'Assemblée nationale ivoirienne, sénégalaise et tout ça, qui a dit que oui, dans l'article de la Constitution, mais quelque part là-bas, que le franc CFA est adopté par le pays en question et que c'est tous les députés ou bien c'est toutes les personnes, le référendum dans le pays, le peuple a dit oui, on adopte ça, on est d'accord avec ça. Ça n'existe nulle part. C'est une monnaie qui nous a été imposée, M. Ouattara. Arrêtez de mentir aux gens. Et à partir du moment, c'est important de préciser toutes ces choses-là parce que la suite là, de ce qui va se passer, ce qu'on va dire, est collé au début de la vidéo où la bonne femme est en train de pleurer pour dire que la vie est chère. La suite, là, elle va avec tous les problèmes que les Ivoiriens trouvent sur leur, dans leur vie de tous les jours, dans cette colonie-là. C'est un système qui a été savamment réfléchi et imposé pour pouvoir continuer à écraser la vie des gens et s'enrichir sur les souffrances et le sang des peuples africains, en particulier en colonie ivoire. Ça là, personne ne peut nous faire penser le contraire, mais nous faire croire le contraire, c'est ce qui est. Donc on va continuer avec la vidéo, on va écouter ce que M. Ouattara dit, comme ineptie. Continuons. C'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Liberia, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que les pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher le franc CFA? Mais par contre, dans la zone du CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins, parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures. Pause. Écoutez les inepties de M. Ouattara. Écoutez les... Non, c'est grave. Ça dit que des fois, les Ivoiriens regardent les choses et puis ne font pas attention à ce que les politiciens la racontent comme bêtises. Hein. Moi, je ne suis pas économiste. Sincèrement, je ne suis pas économiste, je ne m'y connais pas dans l'économie, machin, truc macroéconomique, les termes techniques là. Mais ma petite intelligence que Niamien m'a permis d'avoir, je peux voir que ce monsieur-là, ce qu'il raconte, c'est des bêtises. À plus forte raison, nos intellectuels qui ferment leur bouche, qui ne disent rien, qui sont assis là et qui subissent tout ce que le monsieur est en train de faire. Ça fait honte. Je vous assure, ça fait honte de voir des intellectuels. Des gens vraiment qui étaient à l'école, qui maîtrisent l'économie et qui s'asseyent et puis qui regardent un monsieur comme ça en train de raconter des bêtises comme ça. Vous n'avez pas idée comment ça fait honte. Alors, le monsieur dit que le CFA en Sierra Leone, en Mauritanie, au Libéria, le franc CFA est accepté. Il a cité expressément ces pays qui n'utilisent pas le CFA. La Sierra Leone, la Mauritanie, ils ont leur propre monnaie, le Libéria. Mais des fois, il faut faire attention à ce qui se passe dans le monde. Il faut faire attention à l'histoire, des fois. Il faut observer. Vraiment, l'observation, l'observation, là, c'est ça qui fait la science ou bien c'est la science qui fait l'observation? Tu aimes bien dire une formule là que j'aime bien, qui met la science et puis l'observation en corrélation. Je ne me rappelle pas, j'ai souvent parlé de
d'observation par rapport à la spiritualité. Oui. Voilà. Mais par rapport à la science. Par exemple, quand tu t'assois, tu regardes une fleur qui pousse, tu peux te dire que bon, au bout de tel jour, c'est un beau jour. Non. Au bout de tel. Effectivement, ça se dit souvent, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu as dû l'entendre souvent. Oh. On dit la science, c'est l'observation. Voilà. C'est-à-dire, le point de départ de la science, c'est l'observation. L'observation. Voilà. Comment veux-tu disséquer, décomposer, connaître la composition de ce que tu n'as pas observé? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, quand nous voulons nous faire une opinion sur quelque chose, on est obligé d'observer. On est obligé d'observer, par exemple, l'histoire du Libéria, l'histoire de la Sierra Leone, l'histoire de la Mauritanie, l'histoire de tous ces pays-là, le Ghana, tous ces pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Si vous observez bien, le Libéria et la Sierra Leone, les deux ensemble, vous n'avez pas remarqué que c'est à la même époque que ces pays-là ont été perturbés par des crises? Vous n'avez pas remarqué que la Guinée de Sékou Touré, au début, quand la Guinée a dit non à la France-Afrique et qu'ils ont créé leur propre monnaie, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont d'abord gâté tout ce qu'ils avaient fabriqué en Guinée comme infrastructure avant de partir. L'administration, ils ont tout détruit. Mais ils n'ont pas payé les Guinéens par rapport au fait qu'aussi, ils ont exploité beaucoup de richesses en Guinée. Hein. Mais eux, ce petit truc qu'ils ont construit, là, ils ont tout gâté. Mais malgré ça, les Guinéens ont réussi avec dignité à fabriquer leur propre système économique et leur monnaie. Et qu'est-ce que la France fait? Encore, parce que ça, encore, c'est historique, vous pouvez vérifier, avec l'opération Persil du général de Gaulle, à travers la Côte d'Ivoire par laquelle ces faux billets-là sont passés. Les gars ont commencé à prendre des conteneurs de faux billets de francs guinéens pour aller envahir le marché guinéen par la brousse, donner des sacs de billets, de faux billets, de faux billets, pour pouvoir enrayer l'économie de Guinée avec la Guinée avec l'argent que la Guinée est en train de mettre en place. Ça a fait foirer toute l'économie de Guinée. C'est pas parce que les Guinéens étaient nuls. C'est pas parce que nos frères guinéens ne savaient pas créer leur système monétaire et tout ça là. Non, c'est parce que des diaboliques, des gens maudits sont venus perturber, attaquer, déranger leur système économique. Voilà la vérité. Parce que des gens, surtout les Françafricains, je vais rester encore poli, qui disent que la Guinée a eu sa monnaie. Est-ce que la Guinée a décollé? Mais est-ce que vous avez une idée de ce que les saloperies que la DGSE, De Gaulle et tous ses camarades l'ont fait aux Guinéens pour les empêcher justement de pouvoir se développer normalement? Parce que à l'époque, le général De Gaulle, tout ça, ils avaient le plein pouvoir pour faire ce qu'ils voulaient, à qui ils voulaient, comme ils voulaient, où ils voulaient. Est-ce que vous avez une idée de ça? Est-ce que des fois quand vous parlez là, vous réfléchissez un peu, vous avez peur au moins de l'entité supérieure qu'on appelle Dieu là? Parce que vous dites des choses qui sont méchantes, qui sont... Et les esprits de ces gens-là vous écoutent. Les esprits de nos dignes ancêtres africains nous écoutent tous les jours, ils sont à côté de nous quand on parle. Et quand vous dites des inepties pareilles que oui, la Guinée, il n'y a pas eu de personne intelligente pour pouvoir faire en sorte que la Guinée soit développée, mais je suis désolé, vous êtes maudits. Vous êtes maudits jusqu'à je ne sais pas combien de générations parce que les gens ont refusé d'être asservis, les gens ont refusé d'être des petits larbins, ils ont demandé à ce que leur matière première, tout ce qu'ils font là, soit payé comme il faut pour avoir une vie décente et que les gens n'ont pas voulu. Au contraire, comme vous ne voulez pas là, on va vous détruire, c'est ce que les gens ont fait. Et parce qu'ils n'ont pas pu se faire, donc aujourd'hui, vous allez vous croire supérieur à eux. Mais c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Donc quand un Ivoirien se croit supérieur à un Guinéen, vraiment, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Les gars, calmez-vous, hein. Parce que les temps changent, le monde est en train d'évoluer et très bientôt, avant 5 ans même, vous allez voir ce qui va se passer en Afrique. Mais bref. Donc, M. Ouattara, qui dit que oui, la Guinée, qui dit que oui, la Sierra Leone utilise le franc CFA, mais ils ont le choix. Le franc CFA, là, on est en Afrique, en nous ici. La question qu'il faut poser à M. Ouattara, qui est le grand économiste, c'est pourquoi, par exemple, quand tu prends tes francs CFA de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller
appelle ça, dépenser au Cameroun, comme tu veux. Il faut d'abord changer dans une banque au Cameroun, toi-même dans ton propre, dans la propre Afrique, là, France CFA du Cameroun, et puis France CFA de Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, bien même au Gabon, c'est pas la même chose, parce que c'est une autre zone. Donc, il faut encore passer par les systèmes bancaires, tout ça, c'est pour empêcher les gens de pouvoir faire l'économie, de commercer pour s'enrichir. C'est exprès pour rester dépendant. C'est savamment réfléchi, c'est savamment pensé. C'est tout ce système merdique-là de CFA qui fait que les Africains, les populations en général, restent dans la misère et que ceux qui sont au pouvoir, ils ont ce privilège au moins de bouffer encore sur les populations. Et puis, ils ont la protection du colon, du maître qui met le petit contingent de soldats à côté, là, au cas où il y a un problème. Et puis, bon, on arrive vers le sujet principal, même, qui est le monopole, qui sont les monopoles, du moins qui est le monopole de toutes ces choses-là, qui font que les populations sont toujours dans la misère. Donc, voilà ce que M. Ouattara défend, ce système de merde. Et quand il raconte que oui, la monnaie, elle est bonne, dans les pays là-bas, ils l'acceptent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Même au Ghana, on accepte le franc CFA. Même au Ghana, les gars, ils changent dans les banques là-bas, là, mais c'est pour faire quoi? C'est pour construire, je ne sais pas moi, des autoroutes. Non, c'est juste la petite monnaie fraîche là pour pouvoir dépanner les gens, c'est tout. Ça n'a rien à voir, ça ne rentre pas dans le système économique. Continuez, monsieur, que Ouattara dit. Continuons. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Stop. L'inflation est basse. L'inflation, c'est quoi? Actuellement, là, l'inflation est en train de tuer les Ivoiriens. L'inflation. Tout ça, inflation, ce sont des mots que les capitalistes là, ont fabriqués pour pouvoir justifier leur connerie. Quand ils augmentent les prix quand ils veulent, ils baissent quand ils veulent. Parce qu'ils ont le monopole de tout. Et les gens sont obligés d'acheter. Donc, quel que soit ta colère, tu vas venir acheter le riz chez nous, tu vas venir acheter le poulet, tu vas venir acheter tout chez nous, parce que c'est nous, on te fournit ça. On est les seuls fournisseurs. Si tu ne veux pas, tu vas mourir de faim. Et si tu veux t'amuser à planter ou bien à faire toi-même, on va te taper pour mettre dessus encore. Donc, il parle de quoi? Le taux à 6%, les taux de machin là. Lui, il dit ça, c'est par rapport à son palais présidentiel là-bas. C'est pas par rapport à la vie des Ivoiriens de tous les jours lambda, à Bobo ou bien à Yopougon, mais quoi? Non, c'est pas par rapport le taux de croissance, ça ne concerne pas les populations. Hein. Ça concerne les entreprises qui ont tous les marchés et qui s'amusent à faire leur kiff-kiff bourricot, leur amitié, leur construction entre eux là-bas de pacotille. Voilà, c'est là-bas, ils gagnent l'argent, ils deviennent très riches. Une pelouse qui doit faire 600 000 euros, les gars font ça à 30 millions d'euros. Voilà, là, les 6%, ça justifie tout ça. Là. Les gars, ça va. Les gars, entre eux là-bas, bah, tout va bien, vous comprenez, non? On continue, s'il te plaît. Parce que nous sommes ensemble et la solidarité. C'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CFA. Si cette monnaie était autant dépliée, pourquoi voulez-vous que les pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher le franc CFA? Stop, s'il te plaît. Regardez encore une ineptie. Mais la plus grosse, celle-là, c'est la plus grosse ineptie. Monsieur Ouattara n'a qu'à prendre sa mallette de 100 millions CFA. Et puis, il n'a qu'à arriver à la Société Générale à Paris ou bien à Mougins là-bas. Et puis, il n'a qu'à dire qu'il veut changer. La réponse, il va l'avoir lui-même. Si cette monnaie-là est reconnue partout, eux-mêmes, ou bien il n'a qu'à aller dans une banque à la Chamaillère où on fabrique ses CFA. Il n'a qu'à aller dans une banque à la Chamaillère pour dire que lui veut changer ses CFA en euros. Et puis, il va avoir la réponse. En France, hein, où on fabrique, pour te dire que celui-là qui fabrique, là, tellement il a confiance en cette monnaie-là, tellement il maîtrise cette monnaie, tellement il fait confiance à cette monnaie-là, est-ce que lui-même il change ça en France ici? Fouilleté. Monsieur Ouattara sait qu'il ne peut pas faire ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Lui, c'est lui qui dit que c'est
est bon, alors qu'il est en train de mentir aux gens, influencer les petits moutons là, qui vont même pas réfléchir pour voir que la merde qu'ils vivent, où ils sont obligés de manger porc alors qu'ils sont musulmans là, c'est à cause de ces bêtises de ces femmes. On continue, mon frère. Je ne sais pas, Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité... Stop. Les déficits sont maîtrisés. Quand M. Ouattara venait au pouvoir, quand il a pris le pouvoir par la force, par les armes, c'était 6 000 milliards, je crois, la dette de la Côte d'Ivoire. Déficit qui est maîtrisé là. Aujourd'hui, en 2023, près de 11 ans après, 12 ans après, on est à 27 000 milliards de crédits, de dettes avec les gens. Ça là, c'est maîtrisé. Déficit, dette et tout ça là, c'est maîtrisé. Mais bref, on continue. De temps en temps, nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide. Et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça, c'est notre affaire. Et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très, très, très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays, pour nos populations. Stop. Alors, M. Ouattara dit, c'est notre monnaie et elle est bien pour nous et on va bientôt la réaménager et ça, c'est notre affaire. Mais près de 2 mois après cette vidéo-là, M. Ouattara, tout penaud, avec M. Macron, ils étaient arrêtés là dans une conférence. Quand Macron est venu annoncer que oui, ils vont faire les coups. Macron, il était là, puis dit, bon, j'ai réfléchi, nous avons un truc, nous allons voir le CFA, on va le changer en écho, et ceci, cela. Monsieur Ouattara était juste à côté, hein, le même qui disait que oui, le CFA est bon. C'est Monsieur Macron qui est venu annoncer que oui, le CFA sera aménagé. Alors que Monsieur Ouattara disait tout de suite devant vous que c'est notre affaire. C'est notre affaire. C'est l'affaire de qui, M. Ouattara? C'est l'affaire de qui? Qui fabrique la monnaie? Et puis, c'est ton affaire. Déjà, même ça, vous voyez comment ça fait honte. L'homme qui fabrique billets pour te donner, pour que tu utilises pour faire des trucs, et puis maintenant, tu lui redonnes encore. Et puis lui, maintenant, il te donne ce qu'il veut, dedans. Toi, tu dis, c'est ton affaire. Ça ne fait pas honte. Tu ne maîtrises rien. Mais tu ne maîtrises absolument rien. Lui qui maîtrise, c'est lui qui vient te dire que voilà comment ça s'est passé. Et toi maintenant, oui. Alors que plus tôt, tu disais que c'est notre affaire. Jean, tu es trop... ouais, tu maîtrises. Alors que tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Et ça là, M. Ouattara, ça là, M. Ouattara, pour M. Macron, vous êtes moins... vous avez moins de valeur que la semelle de ses chaussures. J'ai dit, M. Ouattara, pour M. Emmanuel Macron, vous, M. Ouattara, vous ne valez pas plus que la semelle de la chaussure de M. Macron. Pour lui, hein, pour M. Macron, quand il est assis dans sa chambre avec sa femme, là, et puis ils sont en train de causer des choses du monde, des gens qu'ils ont vus, ils ont causé. Là. Quand il parle de vous, les gars parlent de vous avec mépris, je vous assure. J'ai eu la chance de connaître très tôt le caucasien. J'ai eu la chance de connaître très tôt le caucasien, de vivre avec lui, en famille de blancs. Matin, on s'est réveillé ensemble, on dort ensemble, on s'est réveillé ensemble pendant des années et des années. J'ai eu le temps d'observer ces gens-là. Je maîtrise leur culture, leur façon. Je les connais. Et je sais que ces gens-là, ce sont des gens qui... C'est-à-dire que, par exemple, ce genre de personnes, c'est des gens qui respectent que ce qui leur fait peur. Ils ne respectent que les menaces, ce qui peut les menacer là. C'est ça, ils respectent. Vous comprenez, non? Les gens qui peuvent
est une menace pour ils les respectent. Même si ce n'est pas le respect vraiment de leur cœur entre eux, là, comme eux, ils se respectent entre eux. Là. Mais au moins, quand tu es fort, là, le gars te respecte. Il va te dire s'il te plaît, il va te dire merci. Il va faire attention pour ne pas te fâcher parce que si jamais il te fâche, tu peux lui faire du mal. Ça, il va faire attention. Vous voyez, non? Mais quand tu es un Africain, tu es un homme noir et que il te dit, hey, fais ça. Et puis tu cours, tu fais. Quand il ne gagne rien avec toi de l'argent, il ne gagne pas l'argent avec toi, là. Joe, il te méprise, bon, mais tu ne vaux rien pour lui, quoi. Mais où il te méprise vraiment, c'est quand il te dit, fais ça. Et puis il gagne l'argent avec toi. Et puis en plus, toi-même, tu te permets maintenant d'aller faire du mal à tes propres frères par rapport à lui. Et puis quand il s'assoit avec ses frères, puis quand il est con, hein, on lui dit de faire ça, il fait ça, puis maintenant, il fait souffrir son peuple. Alors que moi, en tant que caucasien, je ne peux jamais faire souffrir mon peuple comme ça. Même si, je ne sais pas quoi, Satan descend pour me dire, moi-même, mes propres frères, là, non, on est ensemble. Mais lui, là, le noir, l'Africain, là, il est capable de vendre son frère, faire des sales choses, et puis maintenant, on le blague un peu avec des « Ah, mon ami, mon frère, ça va, machette, il est content. » Non, ça, ce n'est pas un homme, ça. Ça, c'est un animal. Voilà comment le Caucasien pense. Quand il voit les Noirs qui trahissent leurs pauvres frères, ils les reçoivent à l'Élysée, vous mangez ensemble, puis vous parlez mal de vos pauvres frères. Et le blanc qui est assis là, qui mange, il dit rien. Ah oui, c'est vrai, il rigole, vous, mais en réalité, il vous méprise. Même. Pire que le Noir même qui déteste, au moins, qui lui fait face et qui lui dit les choses en face. Il se dit, ah non, lui, là, c'est un homme, au moins, il a ses convictions. Mais toi qui es là, tu es reçu à l'Élysée, parce que le gars t'appelle son pote, parce que le gars mange avec toi, et puis tu vends tes propres frères. Tu es responsable de la misère de tes propres gars, parce que lui te dit de faire, et puis toi tu fais. Il te méprise, parce que le jour où, par exemple, il n'a plus besoin de toi, c'est là que tu... Regardez, demandez à tous ces présidents africains, hein, les Bokassa et les ceci, cela, là, au dernier moment, est-ce que Bokassa imaginait un instant que Giscard allait lui faire ce qu'il lui a fait, là? Est-ce que Bokassa... Imaginez une seconde quand il se consacrait empereur. Hey Dieu, vraiment, les gars, là, ils n'ont rien compris encore. Vous ne connaissez pas encore les gens. Mais bref. Donc, M. Ouattara, dans sa façon de faire, là, il est en train de jouer le jeu. Et M. Macron le méprise au plus profond même de son âme. Mais il fait jusqu'à ce que M. Macron en ait marre de lui et puis qu'il enlève, qu'il passe à autre chose. Voilà ce qui est en train de se préparer, c'est vrai, ce qui risque d'arriver. Je vous assure, pour le moment, si M. Ouattara est là, c'est parce que M. Macron il est bien content du travail que M. Ouattara fait sur ses populations pour que Babylone ait ce qu'il doit avoir pour le moment encore, comme influence en Afrique. Point barre. Metzoku, tu es là? Oui. Un discours, et que tu es à ton bouton, tu applaudis. J'applaudis quand tu as ton temps, j'applaudis. Ce monsieur, je continue de le dire. L'identité de on va s'arrêter là. On va s'arrêter là par rapport aux vidéos. Parce que après, c'est monsieur le professeur Agbou qui détruit en fait de façon scientifique. Parce que lui, c'est un économiste. Tout ce que monsieur Ouattara a dit. On garde ça au chaud. Pour ceux qui vont venir dans le commentaire ou bien quoi, venir dire que ce qu'on dit là, c'est des bêtises. Là. Il y a la partie scientifique maintenant de ce que j'ai dit là, parce que moi j'ai parlé terre à terre, mais il y a la partie scientifique qu'on garde au chaud. Pour ceux qui vont venir se jouer les dangoros, on les attend. Venez nous dire que non, le CFA est bon, le CFA est comme si, par rapport aux termes techniques et des systèmes, ni. Venez nous dire ça. Et puis on va vous démontrer maintenant avec le professeur Agbou clairement que M. Ouattara, c'est un menteur. Un menteur et un fiefé larbin de M. Macron actuellement, après avoir été larbin de M. Sarkozy. Voilà. Donc, Maître Zoku. Oui. Est-ce que maintenant tu peux intervenir pour compléter ce que j'étais en train de dire ou bien... Simplement, maintenant, il va falloir que on fasse maintenant la transition. C'est-à-dire, oui. On a montré que Ouattara... Et tout ce qu'il a dit est faux. Le CFA n'a pas les vertus que
On lui donne, ce n'a pas été librement choisi. Oui. La preuve est arrivée en France, les banques même n'acceptent pas la conversion du CFA. Il prend les exemples des pays voisins, du Libéria, de la Guinée, en omettant de dire qu'il y a eu un plan de sabotage de ces pays-là qui n'avaient pas les monnaies des colons et tout et tout. Maintenant, je crois que on va essayer de faire la transition. Oui. Expliquer en quoi est-ce que le CFA est responsable de la vie chère. Je crois que c'est en fait même c'est l'objet même de la vidéo. Donc Oui. là, on t'écoute. Alors, par rapport à la première vidéo que nous vous avons montrée avec la femme qui se plaignait de la cherté des denrées alimentaires sur les marchés, en fait, le vrai responsable de tout ça, c'est le système économique qui est basé sur le franc CFA. Parce que les gens réussissent à nous faire croire que les problèmes en Afrique avec le CFA sont liés aux problèmes en Europe avec l'euro. Cette corrélation-là, les gens ont réussi à nous faire croire que nous, en Afrique, dans nos économies subsahariennes, là, coloniales, là, notre problème est arrimé à l'euro, au problème que les gens ont dans la zone euro. C'est-à-dire que le monsieur qui achète ses cornflakes ici en France, ou bien son croissant, ou bien son pain, eh bien, il a les mêmes soucis que l'Ivoirien qui va acheter son garba, sa banane braisée, et ce genre de choses chez nous. C'est ce que les gens nous font croire. Donc, quand ils vous disent que le prix du sac de riz augmente, le prix de l'huile augmente, le prix de la viande augmente, le prix de toutes ces choses-là augmente, ils vont vous dire que non, c'est partout comme ça dans le monde. Est-ce que c'est faux? Ce qu'ils disent, c'est faux. Leur justification, Joe, c'est pas à New York, là, c'est comme ça, c'est cher. Si tu vas à Varsovie, c'est comme ça, c'est cher. Si tu vas à Lisbonne, c'est comme ça, c'est cher. Si tu vas à Londres, c'est cher comme ça aussi. Donc, c'est normal que chez nous ici, en Côte d'Ivoire, ce soit cher. À Zoukoube, ce soit cher comme ça aussi. À Diégoné-Fla, ce soit cher comme ça. C'est normal parce que chez les Blancs, là-bas, c'est la même chose. Voilà ce que les gens réussissent à faire croire à la majorité des moutons. Et qui fait que aujourd'hui, ces musulmans-là sont obligés de manger du porc pour pouvoir survivre. Manger leur totem. Tu veux compléter quelque chose, Maître Zoku? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, voilà déjà le premier tour de magie que le CFA est arrimé à ces problèmes en Europe et tout ça, et qu'on est tous dans la même marmite, on a tous les mêmes problèmes. C'est faux et archi faux. Le vrai problème, c'est le système colonial que les gens ont mis en place depuis le début de nos pseudo-indépendances avec les fameux accords coloniaux qui font que la grande majorité des entreprises qui ont le monopole des services en colonie ivoire sont françaises ou bien sont des prête-noms. Je répète, les vrais problèmes que nous avons en colonie ivoire, sur la vie chère, toutes les choses chères, 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 là, ce sont des choses artificielles, des choses que les gens eux-mêmes décident de faire parce que simplement, ils s'enrichissent à 1000%, 2000%, M. Tiam lui-même, il a dit, sur la misère des populations en général qui n'ont pas le choix et qui sont obligées de suivre les monopoles. Ce sont des monopoles d'entreprise qui bloquent tout et qui obligent, qui forcent le consommateur ivoirien à acheter chez eux et rien d'autre. Donc, quand tu es en situation de monopole, que l'électricité, tout passe par toi, le téléphone, tout passe par toi, c'est-à-dire que même s'il y a des entreprises étrangères qui viennent pour pouvoir se chercher, pour pouvoir essayer de faire un peu de concurrence, enfin concurrence en griffe, ben, par exemple, Orange, c'est Orange qui dispose de toutes les installations techniques en colonie ivoire et qui loue maintenant à MTN, aux autres sociétés, là, il les loue. Mais le début, ça passe par Orange. Donc, si Orange loue le truc à un certain prix, MTN est obligé de faire des prix aussi qui ressemblent à ceux d'Orange. Vous comprenez?
ne parlais que du téléphone. Je ne parle même pas de la nourriture. Dans le système, par exemple, de la distribution du riz, la distribution de l'huile, la farine, le sucre, des denrées que toute la population consomme tous les jours. Les gars, ils ont le monopole de tout ça. Donc, ils vous donnent le prix qu'ils veulent. Le riz, par exemple, pourquoi il n'y a pas, il y a un ministère du riz, mais il n'y a pas de politique de plantation de riz. Il n'y en a pas. Politique nationale, volonté politique de dire que bon, en 3-4 ans, on va faire en sorte que ce pays-là, il n'y a plus un seul grain de riz qui vient de l'extérieur. Nous tous, on sera, qu'on appelle ça, autosuffisant. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'il y a les gens qui s'enrichissent sur le riz qui vient de Taïwan ou bien de, je ne sais pas où, de Thaïlande ou bien de Vietnam ou bien de l'Inde ou bien je ne sais pas où. Ça vient par bateau. Les gars mettent des taxes dessus. Les gars s'enrichissent dessus tranquillement. Électricité, c'est Électricité de France, EDF, qui change de nom, qui devient CIE. Et c'est les mêmes là. C'est tout, si on veut faire la liste des sociétés de l'Hexagone qui ont des ramifications en Afrique occidentale française, ben vous allez tomber des nues. Et c'est ces mêmes gens-là qui sont là, qui font la pluie et le beau temps, et qui se nourrissent de la souffrance des populations qui n'ont pas le choix que d'acheter avec ces monopoles-là. Vous pensez que quand quelqu'un dit « nos intérêts en Afrique, nos intérêts », vous pensez qu'il parle de quoi? Intérêt, là, c'est la population qui achète, les consommateurs. Regardez Canal+. Canal+, vient et ils mettent un tarif comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, il pleut, le service est pourri parce qu'ils vous vendent des décodeurs même qu'en France, ici, ils n'utilisent même pas. Ils ne peuvent même pas s'amuser à mettre ça. Mais en Afrique, ils peuvent se permettre de donner des décodeurs de merde, des trucs pour des services pourris, mais ils vous font payer comme en euros. Les gens payent ici en euros. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous multipliez ça par tous les pans de l'économie, c'est ça là qui fait qu'on a l'impression que la vie est chère parce que des gens se disent qu'il y a des gens, ils n'ont pas le choix que d'acheter chez nous. Donc, on peut leur donner le prix qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à se saigner comme ils veulent pour avoir l'argent qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils vont payer le prix qu'on leur donne. Voilà. J'essaie de résumer. Maître Zoku, est-ce que tu peux continuer? Je vais aller faire un petit pipi, je reviens. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la cherté de la vie? La cherté de la vie, quelque part, c'est essentiellement dû... sans doute à des situations de monopole. Voilà. Je veux dire que l'économie, elle est basée sur certains piliers. Quand vous allez prendre toutes les industries qui fabriquent les produits, mais il y a le coût de l'électricité, il y a le coût de la fourniture d'eau, il y a le coût des communications, il y a le coût des connexions. Ce sont ces instruments-là qu'on utilise dans la vie économique. Les sociétés de livraison, les coûts des carburants, les industries qui fabriquent les biens et services consomment l'électricité, l'eau, les communications et tout ça là. Donc, quand à ce niveau-là, il y a des monopoles, il n'y a pas la concurrence, mais le consommateur, il est obligé, il subit les prix élevés. Et puis, ça se répercute sur tout. La facture de courant, la facture d'eau, l'essence, les communications, tout ça là, quand ces prix-là montent parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais ça agit sur tout. Il suffit d'augmenter un peu le carburant, mais c'est fini, les denrées alimentaires augmentent. Or, ces éléments de base-là, ça appartient à des sociétés, généralement des sociétés françaises, qui ont un monopole, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de concurrents. C'est-à-dire, quand tu prends le transport urbain organisé par l'État, tu as la Sotra. La Sotra n'a pas de concurrent. Quand tu prends la fourniture d'électricité, qui est la base même de toute activité, activité individuelle ou activité économique, cette fourniture-là, c'est assuré par la CIE. Ils n'ont pas de concurrent. Quand tu prends la fourniture d'eau, l'adduction en eau, qui est aussi la base de l'activité, de toute activité humaine, même ceux qui vendent garba, il y a la consommation de l'eau pour laver au moins les assiettes. Cette activité-là assurée par la SODECI, ils n'ont pas de concurrent.
quand tu prends la téléphonie, c'est vrai, il y a beaucoup de compagnies de téléphonie. Mais à qui appartiennent les équipements? Qui vient louer les fréquences? Ça dit, si moi, tout de suite, là, j'ai créé Zoku Managi Communication pour faire une entreprise de téléphonie mobile, mais je vais m'adresser à Orange. Ils ont le monopole des équipements. Ils n'ont pas de concurrents parce qu'il n'y a pas une autre société aussi qui détient une partie des équipements. Vous voyez? Donc, pour tout ce que je viens de citer là, c'est des entreprises qui n'ont pas de concurrents. Bon, même quand on prend le levier, dont le prix monte, mais les gens nous expliquent qu'en dessous, c'est dû aux importateurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont à peu près des monopoles d'importation de riz. C'est-à-dire, des gens, c'est eux seuls qui règlent l'importation de riz. Donc, et ils ne vont pas favoriser la production locale, puisque c'est les importateurs. C'est à eux seuls qu'on a attribué l'importation de riz. Donc, ils ne vont pas développer la production locale puisque eux, ils sont chargés d'importer. Si la production locale monte là, le consommateur aura le choix. Mais tant que la production locale ne monte pas, on n'a pas le choix que de consommer ce qu'eux, ils font venir. Et puis, c'est là le bénéfice qui se maintient. Mais même au niveau des importateurs, là, si on diversifiait, ça va faire la concurrence, ça va baisser. Mais c'est un certain nombre de barons à qui on a attribué cette importation-là, et pas à d'autres. Donc vous voyez, c'est des situations de monopole. C'est des situations de monopole qui créent généralement l'acheter de la vie. Maintenant, quel est le lien avec le CFA? Comme c'est eux qui fabriquent les billets et les pièces, et souvent on remarque qu'il y a des moments où il n'y a pas de pièces en circulation. Il y a billets, mais il n'y a pas de pièces. Mais ça peut freiner l'activité économique. Ça peut freiner l'activité économique. Donc, si, quel est le lien avec le CFA? Puisque c'est eux qui fabriquent, c'est-à-dire c'est la BCAO qui émet, mais c'est à Chamalières qu'on fabrique. Donc, si eux, ils veulent t'imposer une entreprise française, eux, ils veulent t'imposer. Maintenant, toi, officiellement, tu es libre, tu dis non, tu vas donner téléphone là à une société allemande. Mais ils peuvent réduire. Puis c'est eux qui fabriquent les pièces. Ils peuvent réduire la fabrication des pièces et puis on dit, il n'y a pas monnaie. C'est-à-dire, en fait, le rapport, c'est l'instrument de chantage. Toi, tu utilises la monnaie, mais c'est eux qui fabriquent. Donc, le jour où tu donnes trop de contrats aux Chinois, puis c'est eux qui fabriquent. Voilà. Ils peuvent diminuer les pièces en circulation. Voilà un peu le lien, quoi, que moi, je peux voir. Mais voilà. Ils ne sont pas contents. Les juges ne sont pas contents. Ils ferment les banques. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Voilà. Bon, maintenant, les banques, si tu veux, ça, c'est un lien indirect, mais je parle du fait que c'est le CFA. Tu vois? Oui. Bon, s'ils ferment les banques, mais on va dire qu'il y a les banques ivoiriennes. Les banques ne sont pas succursales, mais la majorité. Mais je veux dire que le CFA, quel est le lien avec la charité de la vie? Le lien, c'est l'instrument de chantage. C'est-à-dire, si tu ne places pas leurs entreprises pour qu'ils aient le monopole, parce que la charité est due au monopole. Et le monopole est dû au lien de colonisation. Et quand tu veux t'opposer à ce lien de colonisation, c'est là que le CFA vient. Ils vont réduire les pièces en circulation. Il y a ça, par exemple, comme exemple. Et puis en plus, je voulais ajouter que, par exemple, le porc, comme on dit là, le porc. Les gens ne disent pas que la majorité des porcs qu'on envoie pour consommer, ça vient par bateau congelé. Ça vient d'où? Qui vend? Parce que l'élevage du porc en Côte d'Ivoire, c'est artisanal. C'est même pas sur le plan industriel encore. Il n'y a aucune entité qui font vivre les porcs de façon industrielle comme on voit ici en France. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est que de l'artisanal. Donc, la grande consommation générale, ça vient par bateau congelé. Poulet, ça vient par bateau congelé. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange au pays, en majorité, ça vient par bateau congelé. Les gens vous obligent à faire ça. Maintenant, vous savez d'où ça vient. Pourquoi les gens sont malades, pourquoi les gens sont bizarres, les gens sont gros, les gens ont des gros ventres. Maintenant, c'est devenu même... j'ai vu des gos dire que, mon frère, moi, j'ai gros ventre. Mon cher, nous, chez Chego qui a 20 plats,
Parce que nous, nos gros ventes là, c'est comme ça, ça y est. Et puis tout le monde a gros ventes, maintenant on est content. Alors que vous n'imaginez même pas que vous êtes en train de vous empoisonner avec des choses qui viennent que vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas, que les gens vous obligent à consommer. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Toutes ces saletés morales, toute cette misère spirituelle, c'est toutes ces saletés qui se répercutent sur le physique. Les Ivoiriens ne s'en rendent même pas compte de ça. On consomme bêtement ça. Le soir, on va aller au maquis, on va manger les tilapias. Ça vient par carton congelé de on ne sait où. On ne sait pas ce que les tilapias ont mangé, mais on mange. Et maintenant, les gens meurent comme des petits chiens tous les jours. Les gens meurent n'importe comment. Ils ont des AVC, des maladies qui n'existaient pas il y a 20 ans de cela, qui étaient vraiment très rares. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant courant. Les gens... Alors que tout ça est lié. Tout ça est lié à ces histoires de monopole, ces histoires de CFA, ces histoires de non-souveraineté, ces histoires de blocage, ces histoires de maîtrise, contrôle de quelqu'un qui a la même mise sur toute la population grâce à un homme qui est là, qui s'appelle le chef de l'État et qui donne, qui signe les papiers pour dire oui ou bien oui, d'ailleurs, il ne dit même pas non parce qu'il ne peut pas dire non. Et quand on le laisse dire non dans les interviews, c'est juste pour lui donner un genre. Quand on le laisse dire non, parce que j'ai vu une interview, il a dit oui. Il faut que les gens cessent maintenant. On est assez libre pour faire, je ne sais pas quoi, pour dire, je ne sais pas de quoi il parlait là, dans une interview là avec les gars de TV5 ou bien je ne sais pas quoi là, où il a dit non, tout le monde était supprimé. Oui, le gars a dit non aux gens. Mais c'était juste pour se donner un genre de Che Guevara pour dire que non, il peut dire non, sinon en réalité là. Quand l'interview est finie, le gars a dit bon, Joseph, ton numéro était chic, hein, c'est bien, tu as bien joué, bravo. On te donne le prix du meilleur acteur. Sinon en réalité là, tu vas dire oui. Et le gars a dit oui. Se couche derrière les gens. Même Franck Yamsé a dit oui, il est né couché. Il est né couché. Oui, il se couche devant les gens. Il ne peut rien imposer, il ne peut rien dire sur son propre territoire qu'est la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien dire et imposer aux gens de Paris. Il est obligé d'accepter. Voilà pourquoi Paris le cuisine avec des petits oignons. On le machine bien, il est bien protégé. C'est clair parce que le gars, l'influence du colon est très importante actuellement dans ces temps qui courent là, en Afrique. Mais malheureusement pour lui, le temps est fini. Le temps des colonies, c'est fini. Comme Sardou a chanté dans sa chanson, le temps des colonies, c'est fini. Maintenant, les gens, les jeunes, il y a beaucoup qui prennent conscience et qui ont compris que toute la misère qu'on vit là, c'est artificiel, c'est voulu par des gens. Ce n'est pas un truc qui est obligé, qui est tombé sur l'Afrique, obligatoirement, la Côte d'Ivoire doit vivre comme ça, les Ivoiriens doivent... Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il suffit simplement avec la volonté politique, en moins de 2 ans, sur le plan économique, sur le plan du riz, de la nourriture, la Côte d'Ivoire devient autosuffisante. Avec une volonté politique, je dis bien, avec une volonté politique, il y a des gens qui maîtrisent l'agriculture. Il y a des gens comme Naya Kouiti qui est sur les réseaux sociaux ici, là. Elle maîtrise l'agriculture. Elle peut donner des directives, des choses qui vont faire que le pays, là, en moins de 2 ans, on sera autosuffisant. Au calme, si le gouvernement l'accompagne. Mais malheureusement, les gens comme ça, les gens ne les regardent pas. Les gens sont toujours bloqués sur leur statut de monopole où les gars se font des milliards parce qu'il y a beaucoup de moutons qui mangent ce que les gars ils envoient par bateau. Le port est important. Hein. Le port de Côte d'Ivoire, voilà, c'est très important parce que c'est de là-bas. Vous n'avez pas remarqué que tous les poissons de Gaba, même qu'on mange là, les gars vont faire la queue pour aller acheter les cartons de thon au port. Vous n'avez pas remarqué ça? Et ça, ce n'est pas depuis maintenant, c'est depuis très longtemps parce que c'est un monopole, les gars. Ils savent que c'est ça la majorité mange. Donc, les gars, ils font des milliards et des milliards de l'argent, mais sur le dos des gens, mais en donnant n'importe quoi. Non, à un moment donné, ça suffit. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on commence à réfléchir autrement. Il faut qu'on commence à décider par nous-mêmes comment nous voulons vivre, comment nous voulons manger. Ça, c'est la moindre des choses. Mais si on continue de subir, hey, on va faire comment oh? Hey, c'est eux qui ont décidé. Oh. Non, on ne peut plus avoir de chef d'État, de leader dans ce genre-là qui sont toujours à la merci des autres. Non, on est temps d'avoir des gens qui décident de par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour les populations. On est fatigué d'avoir des gens toujours qui sont... Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une chose, surtout ceux qui sont en France. Les Africains qui sont en France, qui ne travaillent pas, qui vivent des aides sociales, les Africains qui vivent des aides sociales, les gens, là, je vous dis, d'ici moins de 2 ans, c'est trop.
Mais dans un an, ils vont couper toutes les aides sociales. Ils vont couper. Ceux qui n'ont pas papier, ceux qui ne travaillent pas, ils vont couper toutes les aides sociales. Ils sont en train de préparer les esprits doucement, doucement. Comme vous voyez, tout d'un coup, Lampedusa est remplie de jeunes migrants, comme ils les appellent, et qui montrent ça à la télévision, puis ils parlent de ça, ils parlent de ça. Il y a des élections européennes qui arrivent dans quelques temps. C'est pour faire en sorte que tous les gars de l'extrême droite prennent le pouvoir dans l'Union européenne, et à partir de là, maintenant, ils vont commencer à voter des lois pour supprimer toutes les aides dans les pays, la France, l'Allemagne, tous ces trucs-là, surtout la France, parce que comme l'argent ne va plus venir de l'Afrique comme avant, les gens sont en train de se réveiller, les gars sont en train de faire en sorte qu'ils vont équilibrer leurs dépenses en arrêtant de subventionner et de donner des aides à ceux qui faisaient partie de la balance. C'est-à-dire que nous, en Français, on vient chez vous, on prend votre économie, on gère tout, et puis on fait en sorte que certains viennent chez nous, et puis ils ont une vie à peu près normale, donc ça fait un équilibre. Ouais, non. Ils vivent d'aide sociale, tout ça, ils ne peuvent pas se révolter. Ils font la même chose avec leur population. Quand on donne le minimum vieillesse, le minimum ceci, minimum ceci, c'est pour empêcher les populations de se révolter. Parce que quand tu as au moins ton petit croissant dans la main, ou bien ta petite bouteille de vin quand tu as un clochard, ou bien ton petit truc, ta petite carte pour aller retirer un peu d'argent, Joe, ton esprit là, ce n'est pas dans la révolte. Mais quand tu n'as rien là, c'est là que tu n'as rien à perdre et puis tu gasses tout. Eh bien, en Afrique, c'était pareil. Les gars, ils viennent, ils prennent le monopole, ils prennent. Et puis maintenant, ils permettent à des Africains d'aller aussi en Europe, se chercher, faire un peu de trucs. Et puis bon, ça va, il y a un équilibre entre nous. Donc, mais là, comme ils vont couper cet équilibre-là, ils vont couper les aides de tout, par exemple, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en foyer, tous ceux qui ont des petites aides, des trucs de façon pour pouvoir leur loyer, tout ça. Eux, tout ça, ils vont couper tout ça pour faire... ramener tout cet argent là maintenant vers les Français, vers leur retraite, vers tous ces gens là, vraiment les gens qui ont les papiers, qui ont le droit là, c'est là-bas ils vont, sinon les aides qu'ils faisaient pour essayer d'équilibrer les choses là, même avec les Maghrébins, ils vont faire pareil, ils vont couper tout ça pour économiser de l'argent, je vous annonce ça, ils vont le faire. Voilà pourquoi ils sont en train de préparer les esprits avec cette histoire de hijab ou bien hijab devant les écoles, machin. C'est pour préparer les gens au vote. On énerve les gens. On monte des vidéos où il y a des jeunes d'origine africaine ou bien maghrébine, machin truc, qui font des sales choses. Les Français qui regardent sont énervés automatiquement quand ils voient Marine Le Pen qui dit on va les foutre dehors, on va faire tout. Les gars, ça vont voter pour chose. L'extrême droite. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils préparent ça pour que les élections européennes, là, il y ait plein de députés européens d'extrême droite pour pouvoir voter les lois, pour supprimer toutes ces choses-là. Ils sont en train de faire ça. On vous le dit, c'est l'observation. C'est l'observation. On observe et puis on voit devant ce qui est en train de venir. Notez bien cette vidéo, vous allez voir vous-même, vous allez dire, ah, le gars avait dit ça. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, vraiment, attachez vos kaiwa. Et maintenant, raison de plus pour qu'en Afrique aussi, on ne se laisse plus faire. En Afrique, maintenant, on récupère aussi nos économies pour qu'on n'ait plus à venir chez les gens pour venir faire barika. Que chez nous aussi, on ait une vie tranquille. Que ce qui est à nous, là, nous revienne. Et que maintenant, leur monopole, là, ça se termine. Et qu'on commence maintenant à avoir des entreprises ivoiriennes, des entrepreneurs ivoiriens maintenant qui commencent à devenir vraiment puissants comme les autres sociétés dans tout le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire, en fait. Maître Zoku, tu peux conclure, s'il te plaît? Oui, bon, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le combat continue, prenons courage. Soyons patriotes, soyons persévérants. Faisons en sorte que, petit à petit, les collabos qui sont dans nos pays, ces intellectuels en mission commandée par le colon, faisons en sorte que chaque jour, ils aient moins de force par la communication, en les exposant, en les mettant en minorité, on va améliorer notre progression dans le combat. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, merci beaucoup. Le temps est venu pour moi de reprendre mon boulot. Je suis en télétravail à la maison. Donc, on doit reprendre le boulot, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, nous, on travaille. Ici, on travaille. On ne vit pas d'aide sociale par rapport à beaucoup de gens qui pensent que nous, on est ici et puis on vit d'aide sociale. On le dit ici devant vous, on ne vit pas d'aide sociale. Et puis, depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais vécu d'aide sociale. Toujours travailler correctement. Je paye mes impôts. Au contraire, c'est avec ce que je paye là qu'on aide les gens. Voilà.
Donc, on n'est pas la même chose. Parce que beaucoup de gens, hey, tu es en France, tu vis des aides sociales, et puis maintenant, tu viens critiquer les Français. Non, je critique le gouvernement et leur politique. Je critique leur mensonge. Je dénonce plutôt leur mensonge qui font que beaucoup de nos frères au pays souffrent de toute leur domination. Ça suffit. Il est temps maintenant qu'en Afrique aussi, on ait le droit de vivre décemment et que beaucoup d'Africains puissent retourner en Afrique et puis apporter leur contribution dans la construction du continent. C'est tout. Et que les gens n'aient pas venu ici pour dire aussi bien. Non, ils viennent ici, c'est pour se promener, faire leurs courses et puis ils repartent comme tous les autres citoyens, les touristes du monde entier. Voilà. C'est à ça qu'on veut arriver. Je suis Bois Kouassi, à Série Fixe. Peace.